À première vue, j'ai l'air un peu raide. Mais au fond, je suis un grand voyageur. Mon aventure a commencé au bord de la mer. J'avais un destin tout tracé. Avec Emma, c'était la belle vie. Mais l'avenir me réservait bien des surprises. En mer, j'ai rencontré d'incroyables créatures. Des nomades pélagiques. Il s'appelle le plancton. C'est une galaxie vivante qui erre au gré des courants. Il y avait aussi beaucoup de fragments inanimés. Ceux-là flottaient partout dans l'océan. On s'est agglutiné en surface avant que la baleine d'argent nous avale. C'est quoi cette histoire? Je me suis retrouvé scruté par une foule de scientifiques. Une forme sphérique parfaite. À bord du Tara, j'ai appris ma vraie nature. Je m'appelle Orcea Plasticus. Et je suis un sous-produit du pétrole. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer, sans compter les milliards de fibres synthétiques et les microbilles. Certains prévoient qu'il y aura plus de plastique que de poissons en mer d'ici 2050. Bizarrement, nous, les plastiques, sommes reliés au plancton. Depuis des millions d'années, le plancton mort sédimente et se transforme en pétrole au fond des océans. Cette énergie fossile est la base de la pétrochimie et des polymères plastiques. Mais à quel prix? Nous ne sommes pas biodégradables. Nous nous fragmentons en tout petits morceaux. Mangé par les oiseaux, les poissons et le plancton, le plastique contamine la chaîne alimentaire. Même ces crustacés, les copépodes, se gavent de microbilles. Virus, bactéries et autres pathogènes naviguent comme nous sur les océans. Ces algues étoilées ont maintenant conquis la haute mer. Couverts de polluants tels le PCB, le DDT, nous relâchons aussi des toxines comme les bisphénols. Nous sommes la plastisphère. C'est cette pollution plastique qu'étudiaient les biologistes, marins et artistes de l'expédition Tara Méditerranée. Suis-je vraiment responsable d'une crise planétaire?
En tout cas, je me sentais impuissant au fond d'une boîte de pétri. Il fallait que je bouge pour raconter mon histoire. En plein quart de nuit, l'équipage avait l'œil sur d'autres spécimens. Alors je me suis échappé du tara. Sur une plage lointaine, j'ai échoué et rejoint une autre équipe. Ceux-là ramassaient et recyclaient du plastique, incités par un appel à l'action internationale. Voilà comment j'ai abouti ici, au milieu de 16 000 bouchons. Finir dans une œuvre d'art, bon, c'est quand même mieux qu'enfoui dans les ordures ou dans la mer en 1000 morceaux. Mais méfiez-vous, nous les plastiques, nous sommes là pour très longtemps.